L'objectif, c'est que nous puissions réunir les conditions favorables pour que l'excellence portoise puisse s'exprimer. Nous avons, depuis 2016, je ne reviens pas sur la bourse d'excellence qui consiste en une aide pour le voyage de celles et ceux qui vont disputer une compétition au niveau national et international. Et dernièrement, la licence pour tous qui, là encore une fois, a pour objectif d'aider le maximum de jeunes à avoir, et les familles surtout, à pouvoir payer une licence. J'ai commencé le football à l'âge de 7 ans. Ben, mon père était tout le temps sur le terrain et tout. J'ai été surclassé à Henri XV avec M. David Marguerite. Et là, aujourd'hui, en 17, il y a M. Nabot. Et après, je m'entraîne avec l'équipe première, qui est le coach Jean-Max Tréport. Voilà. Aujourd'hui, ils ont fait un gros boulot pour moi. Ils m'ont aidé à, ben, ils m'ont aidé à avoir ce niveau aujourd'hui, le niveau que j'ai aujourd'hui. Et ben, je les remercie. Parce que pour nous, c'est une fierté de voir Quentin intégrer le centre de formation Stade Malherbe de Caen. C'est notre rôle aussi en tant qu'éducateur. On ne se considère pas vraiment entraîneur, parce qu'on est éducateur avant tout, de déceler les talents des joueurs de la Jeune d'Arc, aussi des autres clubs de la ville du Port.